Vélo rime avec passion, au sens propre et comme au sens figuré du terme. Ces jeunes riders consacrent tout un style de vie autour du vélo, du wheeling, beaucoup de wheeling. Cette équipe d'environ 5 athlètes déferle en vélo dans les rues de Kolwezi, en offrant du spectacle hors du commun aux passants. Ça s'appelle freestyle. William Kiss est dans le peloton pour mieux nous faire connaître ce phénomène. Je dirais que c'est l'ensemble des styles qu'on fait au vélo. À un vélo, peut-être aussi à une moto. Entraînement, on se donne à fond. On prend le risque. Mais quand on le fait devant les gens, on sait que déjà, en soi, on sait qu'on est déjà fort. Parce qu'on s'est déjà entraîné. Ça a un grand risque. Et le risque, c'est toi-même qui dois te protéger au risque. Ces acrobaties réalisées sur les guidons attirent d'autres âmes autour de ce sport mécanique. Ce jeune élève est resté sous sa soif. J'ai envie aussi de rouler. Bon, c'est un peu ça. J'ai envie aussi de rouler. Je me sens très bien, je suis à l'aise. On peut dire que c'est un peu comme mon sport, mais ce n'est pas vraiment mon sport. Mais je me sens quand même à l'aise. Pour arriver à dompter les vélos, William Kiss en a fait toute une religion. Sauf que tout ça s'apprend avec le temps. Tu te donnes une discipline. Et tu verras ce que moi je fais. Peut-être plus que moi. De la discipline. Si seulement tu gères bien le temps. Ton temps, ton emploi du temps. Les freestyles du vélo vit son apogée sous d'autres cieux, mais cette pratique est encore en phase de promotion à Kolwezi.